Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le chef de l'État, Tshisekedi, attendit à Goma cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de lui en tant que fils de cette province? En tout cas, en tant que fils de cette province et de surcroît président de la jeunesse du Nord Kivu, je tiens à rappeler que je suis de ceux-là qui l'ont rencontré l'année passée, en octobre, lorsqu'il a promis de revenir faire du Nord Kivu le quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo pour traquer les forces étrangères négatives, entre autres les ADF, mais également les FDLR, qui ne font qu'endeuiller les Congolais depuis qu'ils sont ici. Pour les ADF, ça fait plus de 30 ans. Pour les FDLR, c'est depuis plus de 22 ans. Nous pensons qu'on en a marre et que maintenant qu'il a pris la commande de ce pays, un tout nouveau chef de l'État, nous attendons de lui de ne ménager aucun effort pour que l'aventure des forces étrangères, qui sont les forces négatives, ainsi que des groupes armés, arrêtent de continuer à meurtrier les Congolais. Ça, c'est la première des choses et c'est une condition sine qua non pour toute action de développement. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que nous savons qu'après avoir compris la pertinence de la situation sécuritaire chez nous, il a décidé de mettre une pause à la gouvernance des autorités civiles dans cette province pour que les autorités militaires prennent la commande afin de se rassurer que justement il a mis fin à l'aventure des forces étrangères et des groupes armés. Et donc aujourd'hui, après la proclamation de l'état de siège, nous savons que sa présence ici est un soutien moral, mais aussi le lancement même des opérations, puisqu'à en comparaison avec la province de l'Ituri qui est concernée comme nous, le Nord Kivu, en Ituri on a commencé les opérations, mais pas encore au niveau de la province du Nord Kivu. Nous pensons que sa présence est un signal fort du lancement des opérations contre ces forces étrangères et les groupes armés. Nous profitons même de l'occasion pour lancer un appel pathétique à toute la jeunesse, les jeunes qui sont encore dans les groupes armés, qui pillent dans cette province par-ci par-là, dans tous les territoires, notamment Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, territoire de Beni, de très vite se rendre et sans condition. Pourquoi? Parce que nous sommes une jeunesse républicaine, nous soutenons notre pays, nous aimons notre pays, soutenons les institutions, nous soutenons nos forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la police nationale, pour nous garantir la sécurité, la circulation, notre circulation libre avec nos biens. Et nous pensons que tous les jeunes aient pris du sens de l'amour de la patrie. Les jeunes épris de la paix ne peuvent que soutenir cette position du président de la République. Mais en dernier lieu, nous rappelons que nous venons de connaître, en plus des affres de guerre qui continuent, une catastrophe naturelle qui a endeuillé encore une fois notre population, surtout la population du territoire de Nyiragongo, mais également la population de Goma qui a été obligée de quitter les dix quartiers, des 18 quartiers de la ville de Goma, sur demande du gouverneur de province, son excellence Ndima Kongba Constant. Nous pensons que c'était une décision courageuse, mais qui a amené la population dans une situation difficile, surtout qu'il n'y avait pas un dispositif
d'accueil. C'est ici pour nous l'occasion d'attirer l'attention du chef de l'État qui arrive dans notre province pour qu'il aille directement en territoire de Nyiragongo se rendre compte, bien sûr, après le rapport du Premier ministre qui a fait le tour et qui l'a envoyé en premier lieu avec les membres du gouvernement, que lui-même, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la nation, qu'il se rende compte de cette situation parce qu'il y a des populations par milliers qui n'ont plus de ménage et qui sont à la belle étoile. Des populations qui ont besoin, ne fût-ce que même des abris provisoires, en attendant que le gouvernement construise. Des populations qui, de par le Premier ministre, doivent évacuer leur milieu naturel et que donc le président doit être anticipatif en envisageant un endroit pour accueillir ces populations, pour éviter qu'ils ne restent en errance. Mais également les opérateurs économiques qui avaient leurs unités de production là où est passé les laves, ils ont besoin d'un soutien du gouvernement congolais pour de nouveau se refaire la santé économique et contribuer à l'économie de ces pays, à la vie sociopolitique de cette province. Alors, le débat de délocaliser la ville de Goma s'invite aussi, vous en tant que jeunesse, vous en dites quoi? Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut délocaliser la ville de Goma. La ville de Goma vit avec son voisin direct qui est le volcan Nyiragongo, comme le volcan Nyiramuragira, qui est d'ailleurs, lui, il est toujours en éruption, mais lui lance sa lave toujours dans les parcs. Nous pensons qu'il faut seulement que le gouvernement prenne les dispositions, que le gouvernement soit anticipatif, qu'il puisse doter à l'OVG des outils nécessaires afin de suivre du jour le jour le comportement de ces volcans pour prévenir la population et les autorités de cette province si le volcan est au point d'entrer en éruption. C'est tout ce que nous pouvons faire, sinon partout dans le monde, les volcans existent et les populations n'ont jamais quitté leur milieu. Il est seulement question que ces volcans soient suivis et de très près pour que, en tout cas, en cas de danger, les populations puissent prendre les dispositions pour évacuer. Mais nous ne pouvons pas quitter cette ville, surtout que nous n'avons pas d'alternative. L'alternative, c'est d'avoir un autre endroit où aller vivre et où on réunit les conditions. Voilà ce que moi je pense. Président, avant-dernière question. L'état de siège, surtout au nord, qui est au cœur des controverses, les gouverneurs militaires étaient du doigt, surtout de ne rien faire. Vous, en tant que président de la jeunesse, comment vous analysez cette situation? J'estime que les controverses, c'est pas ça le problème. C'est peut-être un problème de manque de compréhension du contexte du Nord Kivu lorsqu'on les compare avec le contexte du territoire de la province de l'Ituri. Le contexte du Nord Kivu est tel que, vous le savez, ce n'est plus un secret pour personne. Il y a aujourd'hui des acteurs politiques congolais, les leaders des communautés, certains responsables des confessions religieuses, n'est-ce pas? Certains opérateurs économiques qui sont impliqués de près ou de loin. Il ne faut pas concevoir la face. Et je pense qu'il fallait, pour une autorité avertie, qu'il prenne le temps de faire des sommations, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui auraient des implications de près ou de loin dans le soutien des groupes armés et des forces négatives. Il ne faut pas oublier que aussi ce qui entretient les conflits dans cette province, ce sont nos ressources naturelles, nos minéraux, qui sont pillés, exploités illégalement par les groupes armés, les forces étrangères. Et donc, il était important que le gouverneur prenne le temps d'avertir quiconque aurait des accointances pour qu'il prenne les dispositions. Et moi, j'ai aimé le fait qu'il a interpellé certains. Il les a dit de prendre déjà les dispositions pour que lorsqu'il va lancer les opérations, que personne ne l'appelle, puisque celui qui l'aura appelé, il se sera accusé. Et celui-là sera déféré devant la justice. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il est doté d'un pouvoir tellement exorbitant lorsque on lui ôte l'institution, l'organe de contrôle, mais également on note les immunités aux députés qui ont l'habitude d'interférer dans les affaires de l'État. Au lieu de
se limiter à faire leur travail comme il est prévu dans la Constitution. Et donc, c'est ça notre point de vue. Nous, nous soutenons son Excellence Ndima Kongba Constant, gouverneur des provinces, et son vice-gouverneur, son Excellence Rémi. Mais également, nous saluons cette position courageuse de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seulement, nous tenons à ce qu'il soit très, très, très regardant vis-à-vis des institutions pour que très rapidement l'état de siège prenne fin si seulement on aura atteint l'objectif et que les autorités civiles reviennent aux affaires parce que c'est une situation qui sort de l'ordinaire. On ne peut pas rester éternellement sous la gouvernance des militaires. Vous savez que les militaires, de par notre constitution, sont politiques. Si on les confie le pouvoir politique, c'est une contradiction. Nous pensons que pour des situations particulières, il faut justement des mesures particulières et que c'est pour cette raison qu'en tant que jeunesse républicaine, nous soutenons cette position du chef de l'État et nous soutenons les opérations qui vont découler de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. Kombolanga Mama Jeanne Bosongo. Tozoze la président na biso ya Congo, président na biso mwana Congo, biso ba épouse militaire, to vandi a tozoze la papa na biso pona makambo ezwa ki biso na Goma. Makamboni. Akambo ya volcan tozo mona pasi bana bazo tanga te, tozo souffrir, aya ko bongisa pona mibali na biso ba soda. Tozoza na message nini mo pesa mo. Message ni papa na biso abakisela biso mbongo pona bana na biso batanga bien bana basoda bazo souffri pe mibali na biso balata ba grade oyo esengeli po to yambie na motema moko tozana misala te tozo souffri basi basoda tozo souffri quand eza bien te kokene na hôpital bazo pesa bino ba facture ya makasi côté ba soda souffrance eza makasi tozo souffri biso ba épouse militaire. Bien, ya. Bon, on a un problème. Il na sepeli ko yamba papa na biso ya Congo, na sepeli makasi pona ko yamba yi. To yaki banda tongo to ozela ya koma na mama, poto yamba bango na motema moko. Biso toza na problème kaka ya bandaku, toza bapaya, to bimi Lubumbashi to e Goma, to lala na batante, to futela bandaku mwa e pezate. Nde to lobi na papa, asali sa biso vraiment. To souffrir na makambo ya volcan oyo bana ba otanga te biloko e baby e bungi nde to za bo e to bimi ba maibobo nde to lena papa asali sabiso ati kabiso temo na Congo nde loko na zangi nango ya koloba na pesi e merci na nde to zo yambaye na motema moko papa na biso ya Congo c'est fini. Mais mon senga na biso po biso pe to za basinistre na ko kima to kimaki biso pe basi ya basoda to bungisaki po tango volke yake pona batonyoso biso pe to kimaki na ko kima wana ko proteje biloko te to proteje ki nde bana siko tango tiki biloko na ndako na ko zonga to kuta ki eloko te me tango ba pesi basinistre na sake kuna biso ba famille militaire to mi retrouver na kati te et pourtant biso nyoso to za basinistre to bungisaki ndango to sengi na président akanisa pe ba famille militaire. Bonjour monsieur le journaliste. Je m'appelle Delphin Mouira. Je suis membre et cadre de l'INC. Nous sommes ici pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Ce que nous attendons de lui tout d'abord, c'est par rapport à l'état des sièges et en tant que membre de l'IDPS, de l'INC, pardon, nous attendons à ce que le président de la République puisse s'impliquer afin que la justice puisse faire son travail de libérer notre président national, M. Vital Kamerhe. Libérer un condamné et accusé pour le tournement des fonds. Écoutez, monsieur le journaliste, je pense que parmi tous les chefs d'accusation, en tant que population, nous n'avons
n'ont pas vu de preuves qui inculpaient les chefs de notre parti. En conséquence, nous nous disons que c'est un procès politique et nous voulons assez que la justice puisse faire son travail le 15 juin de cette année. Vous avez froid espoir hein? En tout cas, nous nous gardons espoir car nous savons que la justice de notre pays, nous avons confiance en elle et nous sommes sûrs que la justice va faire son travail. C'est pour cela, vu que nous sommes des alliés et d'ailleurs des premiers alliés, nous sommes venus accueillir le président de la République qui est notre chef de l'État et chef de l'Union sacrée. Pourquoi cette faible mobilisation côté l'INC à l'arrivée du président Tshisekedi? Écoutez, messieurs les journalistes, je pense que si vous parcourez à l'extérieur, il y a plein de membres de l'IDPS qui sont dehors. C'est parce que les agents de l'ordre ont maintenu un nombre limité pour faire entrer les gens. Mais si vous circulez dehors, il y a beaucoup de gens de l'INC qui sont venus accompagner le chef de l'État. Qu'en dites-vous par rapport à la situation sécuritaire au nord Kivu? La situation sécuritaire, jusque-là, nous attendons cette arrivée de l'état de siège et nous avons confiance. L'état de siège va éradiquer toute l'insécurité qui se vit dans notre province. Nous sommes là pour attendre le chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Nous attendons de lui un mot de compassion par rapport à ce qui nous est arrivé, l'éruption volcanique. Et aussi, nous attendons quelque chose de lui par rapport à l'état de siège qu'il a prôné. Quelque chose par rapport à l'état de siège, c'est-à-dire? L'état de siège, c'est-à-dire, nous voulons qu'il mette fin à l'insécurité dans notre province. Est-ce qu'il y a des avancées depuis que l'état de siège a été décrété? Jusque-là, non. Je ne vois pas vraiment une avancée significative, mais nous observons une sorte d'installation de militaires. Ils sont en train de s'installer progressivement, mais nous pensons que peut-être l'équipe n'est pas encore complète pour qu'on commence directement à traquer les groupes armés. C'est ce que nous pensons. Alors, on explique cette faible mobilisation à l'arrivée du chef de l'État. Bon, ce n'est pas vraiment une faible mobilisation. Et d'ailleurs, c'est une forte mobilisation parce que nous ne nous attendions pas à une telle mobilisation. Parce qu'il y a beaucoup de notre population, beaucoup de nos populations qui ne sont pas encore là. Ils sont encore, les uns sont encore à Masisi, d'autres à Bukavu, d'autres ont pris fuite dans les territoires de Rutshuru. Et tout le monde n'est pas encore de retour. Tout le monde n'est pas encore de retour. En tout cas, à mon avis, je ne m'attendais pas à une telle mobilisation. Il y a une forte mobilisation. Pensez-vous que l'arrivée de Tshisekedi à Goma, c'est un autre soulagement pour la population du Nord Kivu? En tout cas, c'est un soulagement parce que la population attendait son arrivée pour qu'elle puisse se rassurer si c'est vraiment lui qui a décrété l'état de siège et qu'il est en train de faire le suivi de cet état de siège par rapport à la mission qu'il a donnée au gouverneur militaire. Et aussi, la population sera soulagée de voir le chef de l'État parce qu'elle a connu une éruption volcanique. Donc le volcan Nyiragongo a été en éruption. La population a besoin notamment d'être assistée en vivre et en non-vivre. En tout cas, la population, parce qu'il y a une grande partie, si même on n'a pas été, votre maison n'a pas été incendiée, n'a pas été calcinée, mais quand même vous avez été affecté d'une manière ou d'une autre, parce que vous avez perdu, il y a d'autres, il y a des uns qui ont perdu, les uns qui ont perdu leurs enfants, jusque-là ils ne sont pas encore retrouvés, d'autres qui ont perdu leurs biens, argent, et ainsi de suite. Ah. Merci. Ok, c'est ça. Ita imo Luanda Eme. Kwa patikana hapa sa vile secrétaire général wa dynamique Félix Tshisekedi président 2023 siège social ya ile dynamique na patikana Masisi territoire. Kitu gani nataka niambie rais wa Kongo? Nataka niambie rais wa Kongo ke Masisi inapenda imusutenir na ajue kama kule kuko barafiki yake pale Masisi. Namuna gani? Tunataka tumusutenir sa vile objectif ya
dynamique, ni apporter nos soutiens au chef de l'État pour la réussite de ses actions à travers l'Union sacrée. Tout le frayer à sana, l'Union sacrée, wakati ali créer l'Union sacrée, population massive, kafura isana. Wakasema vraiment, namba kwa accompagner chef de l'État, juu anatusaidia sana ile kutosha FCC, na nakuya yeye natia l'Union sacrée juu ya amani ikuye mkongo, na njoo tukasema inaomba kwa accompagner ile initiative tuone kama na sie tutafikia wapi. Ya pili, tuko na lazima juu kule tunateseka na barebele biko wanatusumbua sana, na FARDC ya kule nayo haiko mzuri, inaomba kushanje ile regime itoke Masisi baibebe fasi nyingine. La première, toujours, c'est une différence. Parlez-nous, qu'est-ce que vous voulez dire au chef de l'État? Vous êtes là depuis le matin. Donc, nous sommes ici, nous avons un chef de l'État. Nous avons un peu de temps pour l'été à Mani, nous avons un peu de temps. Nous avons travaillé, ça vit les valimous. Parce que nous avons un peu de temps, les valimous, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps pour le chef de l'État. Merci. Parce que tu dis, tu dis,